Et oui les amis, je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo dans ma chambre. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo dans ma chambre. Et salut les amis, c'est Microformi, j'espère que vous, ça va bien de ma part, la forme. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Une vidéo tuto aménagement des boîtes pour mes mantes. Tout au long de cette vidéo je vais vous filmer pour vous montrer tout ce qu'il faut pour faire une bonne boîte pour nos mantes. Parti pour le tuto aménagement des boîtes pour les mantes. Juste avant de commencer ce tuto, si vous êtes trop jeune, demandez de l'aide à un adulte, car ça peut être dangereux pour vous si vous êtes trop jeune. Alors pour ce tuto, il vous faudra une boîte de 30 cm de hauteur, 20 cm de largeur et 15 cm de profondeur, d'un cutter, du feu, un pistolet à colle, de la moustiquaire, une paire de ciseaux, une branche, des feuilles de décoration, du sopalin et bien sûr votre petite mante. Pour commencer, vous achetez une boîte de 30 cm de hauteur, 20 cm de largeur et 15 cm de profondeur dans votre magasin de bricolage ou de solderie le plus près de chez vous. Vous prenez votre boîte et vous dessinez au feutre un carré au-dessus de la boîte pour faire un marquage. Vous laissez au moins 1 cm sur tout le contour de la boîte pour ensuite coller la moustiquaire. Ensuite, vous allumez votre feu. Moi, je me suis servi du gaz. Vous placez ensuite votre cutter sur le feu. Vous attendez quelques secondes quand la lame deviendra un peu rouge et commencez à découper votre boîte tout doucement. Vous faites ça plusieurs fois juste à temps que vous avez découpé le dessus de la boîte. Ensuite, vous prenez le pistolet à colle à vous ou vous demandez à un ami de vous le prêter et vous le branchez en attendant que le pistolet chauffe. Vous découpez le moustiquaire que vous avez acheté dans un magasin de bricolage le plus près de chez vous. Vous prenez votre moustiquaire et vous la placez sur le trou de la boîte et vous découpez un carré en laissant au moins 1 cm sur tout le contour pour pouvoir coller le moustiquaire sur le plastique. Ensuite, vous prenez le pistolet à colle qui a pu chauffer pendant que vous découpez le moustiquaire. Vous collez ensuite votre moustiquaire sur le plastique. En vous aidant d'un bâton, un cure-dent suffira. Vous essayez de tendre la moustiquaire le plus possible et vous attendez que ça sèche. Vous prenez ensuite votre feuille de décoration que vous avez achetée dans un magasin et vous le collez ensuite avec de la colle chaude dans le fond de la boîte pour faire de la décoration. Ensuite, vous prenez une branche que vous avez trouvée dans la nature. Vous le rincez avec de l'eau chaude et vous le placez dans la boîte et vous collez la branche avec de la colle chaude. La branche servira pour que votre mante grimpe dessus. Ensuite, vous placez l'essuie-tout au fond de la boîte et vous vaporisez un petit peu. Ensuite, vous attendez une demi-heure avant de placer votre mante. La boîte est bien pour de petites mantes. J'ai bien dit pour de petites mantes. 30 minutes après, vous pouvez placer votre mante à l'intérieur de la boîte et refermer le couvercle. Vous placez votre boîte à l'horizontale et ensuite vous pouvez faire autant de boîtes que vous voulez. Et maintenant, vous pouvez observer votre mante à l'intérieur de cette magnifique boîte. Et voilà les amis, la vidéo est déjà terminée. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Microformi, passez une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Ciao tout le monde!